Salam alaikum, les élèves de deuxième année bac, séance maths. On va étudier aujourd'hui le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. C'est pour la branche séance maths. Donc on a mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Donc premièrement, on trouve les particules chargées. Donc, je n'ai aucun cours de particules chargées. Particules chargées. Ce sont les particules. Ce sont les particules qui ont une charge. Des exemples. Par exemple, donc on a réchauffé la particule, on a réchauffé la particule, aïa, on a réchauffé la particule, on a réchauffé sa charge. On a réchauffé sa charge. Les particules restent bien bizarre. Je connais avant. Par exemple, électron. Par exemple, électron. Donc, on a électron au moins, sa charge Q égale à moins E. Par exemple, proton. Par exemple, proton. On a le proton P, sa charge Q égale à plus E. On a, par exemple, ion. D'une façon générale, ion X, alpha, plus ou moins. Donc, la charge Q, c'est plus ou moins alpha fois E. Alpha fois E. Exemple. Par exemple, Cu2+. Sa charge Q égale à plus 2E. Par exemple, Cl-. Sa charge Q égale à moins E. Donc, là, il y a les différents types de la particule chargée. Maintenant, on trouve le champ électrique. Maintenant, on va traiter le champ électrique. Champ électrique. Champ électrique. Ah ouais. Donc, comment créer un champ électrique uniforme? Comment créer un champ électrique uniforme? Vas-y. On crée un champ électrique uniforme par deux plaques conductrices. Par deux plaques conductrices. Par exemple, dans la première plaque, ici, dans la première, deuxième plaque, ici. Donc, ces deux plaques conductrices, on lie les deux plaques par un générateur. Par exemple, un générateur de tension, un générateur de courant continu, comme celui-là. La charge positive, la charge négative. Mais bien, la plaque va être chargé d'une manière positive. D'une manière positive. Ou celle-là va être chargée d'une manière négative. Donc là, on a automatiquement, lorsqu'on lit les deux plaques conductrices par un générateur idéal, ou par un générateur de courant continu, on a le champ électrique. Et donc le champ électrique caractérisé par son vecteur E, toujours dirigé vers les potentiels bas, vers les potentiels soir. Il y a une ligne qu'on a dans E dirigé vers le bas. Donc, là, c'est le vecteur du champ électrique E. Vas-y. Donc, à fait, je vous sentir pas. Mais il y a trop de la charge. Il y a la charge, ou bien la particule chargée, ou est-ce qu'on a le champ magnétique, que tu as la force, mais tu as la force électrique. Je connais la force électrique. La force électrique, il y a F, E, vecteur égal à Q fois E, le vecteur du champ électrique. Donc, on remplace Q par la valeur à la hasab, la particulière, ou E ou Adna ou Adna. Vous savez? Donc, il y a quand Adna Q positif, dans deux cas. Adna juste Hannes. Il y a quand Adna Q positif. Il y a quand Adna Q positif. Allez, il y a quand Adna Q positif. Je vous le mot. Elle a le vecteur E et la force FE en le même sens. En le même sens. Ça fait. Oui, là, quand c'est dans la charge Q de la particule négative, qu'elle fait moudre que ça habite un le vecteur E ou la force électrique FE de sens opposé. Très bien. Mais maintenant, il y a une petite question de l'électron. Par exemple, l'électron.
عندنا هي الكترون، ها هو الكترون. دونك هاد الالكترون مالو؟ غيكون كيخضر لواحد لافورس اللي هي لافورس الكتريك. بما ان الالكترون عنده اون شارج نيجاتيف، دونك لافورس الكتريك غتكون ديريجي فيغ لو او. دونك لافورس الكتريك غتكون ديريجي فيغ لو او. شكون هي دي؟ سي لافورس الكتريك اف اف او. هاي ولا كان عندك باغ اكزومبل واحد لابارتيكول وحده اخرى، باغ اكزومبل نحطوها هنايا مثلا الومنيوم ال 3 بلس، غتكون ديك الساعه لافورس الكتريك ميم سونس كو او، دونك غتكون ديريجي فيغ لو با. هي هادي عندنا هنايا la force électrique Fe appliquée là liant à L3+. Entendez, mesdames. Donc Q qu'on a pour E qu'on a pour Q, je connais la hasard la particule. E je connais E. Mais je fais un mouchki. E je connais. C'est la tension U sur la distance D. La distance D je connais. C'est la distance séparant les deux plaques électriques. Donc, on a une canette, il y a la distance D. Ou U, c'est la tension du générateur. Donc, il y a U. Après, donc, on a une force, il a une force, il a une intensité, il a la valeur absolue. Donc, je vais vous l'intensité, la vraie intensité, il y a la force électrique. Je connais, c'est la valeur absolue de Q, il y a la sable la charge, fois E. بمعنى لا فورس الكتريك كتساوي مشكول لا فالور ابسولو دو لا شارج فوا U سور شكون سور بوتي تي. دونك هادي كتكون عندنا اون نيوتن. طبيعي الحال اون نيوتن باش ما تخالفلكمش، طبيعي الحال هاد لا طونسيون كتكون عندنا هنايا بالفولت، وهادي كتكون عندنا هنايا بالمتر. طبيعي الحال هذا غيكون عندنا بياش بالفولت باغ متر. دونك هاد الصبورة الأولى فيها غوبريزونطاسيون ديال اش؟ ديال لا بارتيكول شارجي ولي تيب ديالها، ديال الشون إلكتريك وكيفاش كنخلقوه أونتخ دو بلاك كونديكتريس، ديال أن أو توجور ديريجي فيغ لي بوتونسييل، فيغ لي با بوتونسييل، فيغ لي أو بوتونسييل فيغ لي با بوتونسييل، دونك توجور من البلوس للموان، على حساب الجينيراتور اللي عندك هنايا. دونك كيبقى لك المشكل فين تيبقالك؟ كيفاش تعرف لو سونس ديال لا فورس. لو سونس ديال لا فورس كلتي حدو لينا، كتحدو لنا لا شارج ديال لا بارتيكول. إلا كانت عندنا لا شارج ديال لا بارتيكول بوزيتيف، دونك لي دو فيكتور تيكون عندهم لو ميم سونس. ولا كتعطينا لا شارج نيجاتيف، لي دو فيكتور غيكون عندهم دو سونس اوبوزي. دونك شكون هو الاو؟ وكيفاش ممكن نلقاو هذاك الاو؟ الاو اللي هو لا نورم ديال لو شون الكتريك. دونك هو لا طونسيون ابليكي سور لي دو بلاك، سور لا ديستونس اونتر لي دو بلاك. دونك اف او اون بو ديدوير ليكسبرسيون دو اف او. ماتنون اون فا اتيديي ان كا سامبل ديال شي موفمون دو بارتيكول دون سو شون uniforme électrique. Maintenant, nous avons l'étude de mouvement. On a deux cas. On a d'abord un champ électrique, on a déjà créé les deux plaques conductrices. On a un exemple de l'électron qui va entrer dans ce champ électrique. Ce champ électrique, par exemple, on a uniforme. Par exemple, l'E va se diriger vers le bas, car on a les potentiels des hauts potentiels vers les bas potentiels. Donc, on a le vecteur. Très bien. Donc, si je fais le champ magnétique, une fois la particule chargée qui a le le champ, que tu appliques à la force, liée à la force électrique, Fe. Bien. Donc, si tu as la particule et l'électron, automatiquement, reste dans la force électrique. Nous avons la force électrique. Puisque l'électron a une charge négative, reste le Fe et le E de sens opposé. Il y a représenter où la force, on va le représenter. Anna. Donc, ce qu'on a dit, c'est la force Fe, la force électrique. Donc, à ce cas-là, l'électron a la déviation, il n'y a pas de radiation, il y a un doigt soumis à la force Fe, à ce cas-là, la déviation, il y a un doigt chez, par exemple. Très bien. Donc, d'abord, on a l'étude, il y a du mouvement. Le fait qu'il y a le champ électrique ou le champ magnétique, ou un champ électrique qu'on fait dans un repère cartésien. Bien maintenant, qu'on fait un repère d'axe au X et d'un axe au Y. Donc, nous sommes où le wood. Donc, on a le repère d'IN. Le repère d'IN, on a un repère d'IN. On a un repère d'IN. C'est au X. ويكون عندنا هذا اللي عندنا هنا، شكون هو هذا اللي عندنا هنايا؟ باغ اكزومبل سي تا اكس او ايغريك. تخي بيان. دونك كيفما شفنا
la chute parabolique, من الأحسن نلقاو les conditions initiales. خيط غنحتاجو دونك هاو les conditions initiales. Les conditions initiales كان عندنا عندنا جوج دونك نعتبروا بأن هذا هو الـ O ها هو دونك نحتاجو X0 Y0 ها هما وغنحتاجو V0X وغنحتاجو V0Y ها هما X0 0 Y0 0 car le point à l'instant T0, la particule à l'instant T0 se trouve en haut. V0x, V0 confondu avec x, parce qu'on a une chose qui est V0, ou V0y, on a V0 perpendiculaire à la y, donc parce qu'on a une chose qui est 0. On va faire l'étude. L'étude, on va faire le système étudié. On va faire le système étudié. Donc, on a un système étudié avec d'une façon générale ou la particule. D'abord, on a un chouna ou la lettre. Bilan des forces. Bilan des forces. On a deux forces normalement. C'est le poids de l'électron et la force électrique. Puisque le poids de l'électron est négligeable, on va seulement la force électrique. Donc, on a la force électrique. Deux points. C'est la force électrique. C'est la force électrique. Donc la force électrique y est. Très bien. La phrase dit que quand tu vois d'aimer, tu peux appliquer la deuxième loi de Newton. Dans un repère terrestre, supposé Galilien, on applique la deuxième loi de Newton. Très bien. L'itigouline sigma des forces extérieures, aïa, égale la masse fois l'accélération à GA. Très bien. Donc, sigma F extérieur. Je connais hier, il y a la force électrique, aïa, égale AM fois AG vecteur. Maintenant, on dose les projections. Donc, on fait la projection sur les deux axes. Il y en a sur OX, virgule OY. Tac, tac, deux points. Donc, je vais vous dire que بالنسبة لل x هولي عندك هنايا f e x égal à m fois a x و f e suivant y égal à m fois a y. Donc la projection de f e sur x, حكي تساوينا زيرو. Très bien. Donc شو هولي عندك هنا؟ هولي عندك هنايا زيرو كتساوينا شكون؟ m fois a x. La projection de FE sur Y, lui met le de même sens, confondu le même sens, reste par FE. Reste par que je connais il FE égale à M fois AY. Automatiquement, reste bien. Bien, la composante AX est nulle, ou la composante AY est égale. On a un rapport 1 sur M, reste bien. Ou le FE, ce que je connais il y a, il y a le Q, valeur absolue d'il Q, fait H fois le E. Très bien. Je vais le faire une belle. غنلقاو بان ال ax ايغال ا 0 وغنلقاو بان ال ay ايغال كي شكون هي هي لا فالور ابسولي ديال موان او حيت هذا عنده لا شارج موان او دونك غتولي عندك هنايا انت شنو هي ال او هي ال او شكون هو هو ال او سور دي دونك هو ال او سور دي ا هو غيولي عندك هنايا ام وهنايا عندنا فوا دي طبيعة الحال شكون هي دي سي لا ديستونس سيبارون لي دو بلاك اللي عندنا هنايا دونك هذه هي دي تخيل. Donc, on connaît les composantes d'accélération AX et AY. Maintenant, on va résoudre les équations horaires de mouvement. Très bien. On va résoudre ça maintenant. Je vais mettre une théorie là. Très bien. Les équations. On va mettre une étoile là. Les équations horaire de vitesse. Très bien. Deux points. Donc, à nos fichiers, on a la primitive. Tant que tu veux le observer, on sait que. Deux points.
ان هذاك ال ax كيساوي لنا شكون dvx sur dt، وهذاك ال ay كيساوي لنا شكون dvy sur dt. Par intégration plus les conditions initiales. Donc si vous avez une juge, vous avez le vx ou vous avez le vy. Donc la prémissive de 0, c'est une constante, il y a v0x. Donc vx, il y a v0x, il y a v0. Et là, le v0x déjà déterminé, il y a v0. Vy, c'est la prémissive de l'HC. Donc on a un vy de t, donc on a un e fois u sur la masse de l'électron fois d fois t plus v0y. V0y nul. Normalement, on a un plus v0y plus v0y. Donc v0y ramène un n. Donc on a double jugement. On a les équations horaires de vitesse. Les équations horaires de vitesse. Faire un d'abord. Rachou les équations horaires de mouvement. Rachou le level fin, les équations horaires de mouvement. Très bien. Donc les équations horaires de mouvement. Étoile, aïe, les équations, aïe, horaires de mouvement. Même chose. Quand on trouve la définition, on sait que deux points. Avec vx qui s'est à une dx sur dt, ou avec vy qui s'est à une dy sur dt. Allez. Bien. Rendez-moi primitif. Par intégration, plus les conditions initiales, je trouve. Donc, alors, je vais encore la dire. Donc, on a le primitif de l'aide. C'est le même. Il y a une règle qui est x de t égale à v0, primitif de v0, il y a v0 fois t plus x0. X0, maintenant, qui est ça. Bien, on a une chose de belle fille, y de t. La primitive de l'aide, c'est ce qu'on a eu, ou 1 demi, il y a une e fois u, aïe, sur juge, fois m fois d, fois t au carré. Normalement, plus V0, Y fois T maintenant, plus school, plus Y, 0, ça y est maintenant. Je vais vous faire les deux équations horaires. Je vais vous faire un X de T égale à V0 fois T, aïe. Je vais vous faire Y de T égale à un N E fois U sur juge fois M fois D fois T au carré. Deux équations horaires du mouvement très simple. مزيان يعني بحال راه حنا كندمجو داكشي اللي قريناه في الشو مانيتيك مع داكشي اللي قريناه فاش فلا شوت بارابوليك سي لا ميم شوز خايب علاش الفرق كاين عندنا ما بين الشو مانيتيك والشو الكتريك حيت الشو مانيتيك كنخدمو في لا باز دو فريني والشو الكتريك كنخدمو في لا باز كارتيزيان يعني اكس و واي بحال راه حنا خدامين في شوت بارابوليك شنو غيبقى لنا دابا هنايا ايكواسيون دو تراجيكتوار شنو غيبقى لنا دابا تمايا ليكواسيون دو تراجيكتوار L'équation de trajectoire, c'est là. On va dire ça d'abord hier. Donc, on a étoile, équation, équation de trajectoire. Très bien. Toujours l'équation de trajectoire, que je doute t mais x ou qu'on a redouf y. Donc, je vais faire t mais x. Je vais faire t qui est le seul x. Sur V0. Automatiquement, si on remplace T Y, U fois E sur 2 fois M fois D. V0 au carré résiduel fois X au carré. Équation horaire. Équation de trajectoire. Il y a quelque chose de type Rasgoulou. Trajectoire parabolique. Très bien. Mais il y a une question qui est sur le calium ou 7 ou je connais un mot. Vous m'avez dit que le point est réforgé. Le point est réforgé maintenant
l'électron من champ électrique يتسمى le point de sortie. Donc غنديروها هنايا انا وياك, غنسميوها هنايا انا وياك les coordonnées du point de sortie S. Donc on a récolté prof attaque واحد la longueur. On a récolté prof attaque واحد la longueur de la plaque, les deux plaques. Est-ce qu'ils sont قد قد سمحوا لي. Donc là par exemple. Donc on a قدر يعطيك استاذ هاد لونغور هادي ديال لي بلاك بجوج ويسميهم لك مثلا ال من هنا حتى لهنا مزيان. دونك هنا ساهل الا بغيتي الاي الاكس تي بروجي طق 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 شكون هو يكون عندك هذا هو اكس اس هاد اكس اس غيكون شكون هو ال هادي ساهله. دونك عافاك عندنا الاكس اس تيساوي لنا ال تخيل هادي ما عندناش مشكل في هادي. والا بغينا الايكغيك اس شنو غنديرو il suffit الا بغينا الايكغيك اس il suffit de remplacer xs par l on va prendre ys car s appartient à la trajectoire. Donc شنو غادي يولي عندك انت هنايا في ys غير عندك ys كيساوي شنو غادي يولي عندنا هو ال e fois ال u sur 2 fois m fois d fois v0 au carré fois l au carré. Très bien. Donc هذا السؤال غادي ما يكون في لي زيكزارسيس. Maintenant on a terminé le cours. Donc il est simple. Tiens, je vous fais les applications d'hier, Inch'Allah, à ma carrière. Assalamu alaikum.